Bonjour, bonsoir à tous nos fidèles internautes et nous sommes heureux ce matin d'être avec vous et dans le cadre de cette émission qu'on a l'habitude de réaliser toujours à 7h chaque jeudi et matin. Et je m'appelle Théogène Pierre-André, ingénieur agronome spécialiste en gestion des ressources naturelles, coordonnateur du Jardin botanique des Cages, je suis aussi botaniste et directeur du département d'éducation du jardin, mais avec un peu de compétences, un peu d'emprise sur le département de recherche. Ce matin, nous tenons à vous présenter un sujet extrêmement intéressant, c'est l'importance de notre richesse en biodiversité dans notre résilience environnementale. Et ce sujet est tiré à partir d'un thème qu'on va traiter pendant toute cette période jusqu'au mois de mai, c'est notre biodiversité, notre richesse, notre résilience. Et pourquoi on aimerait partager ou bien on veut partager ce sujet? En fait, il y a des constats qu'on fait. On constate qu'il y a une faible connaissance pratique sur notre biodiversité. Haïti fait partie de l'un des pays les plus riches en matière de biodiversité. D'ailleurs, au niveau de la Caraïbe, on se situe en deuxième position après Cuba et on a une richesse en biodiversité extrêmement avancée, tant sur le plan floristique, tant sur le plan faunistique. Mais malheureusement, on fait partie des hotspots et des points chauds et par le fait qu'on est en train de détruire cette richesse qu'on a. Et l'idée de ce thème, c'est de permettre aux acteurs de voir une autre façon qu'on peut exploiter cette richesse. Et parce que très souvent, les réflexions sont trop homocentriques, les réflexions sont trop socio-économiques et parfois ils sont aussi trop environnementalistes sans tenir compte de l'intégration qu'on doit avoir entre l'environnement et le côté social et économique par rapport à la survie des familles. Et maintenant, j'aimerais poser cette question, quels sont les problèmes qu'on observe vraiment? Tout d'abord, on constate qu'il y a une faible connaissance des professionnels haïtiens sur l'importance de la biodiversité locale dans la lutte contre le changement climatique. Et le mot changement climatique, c'est un thème qui est courant, ça fait longtemps et que tout le monde parle. Mais parler du changement climatique, c'est une chose, mais faire des actions pour et atténuer le changement climatique, c'est autre chose. Et par cette faible connaissance des professionnels haïtiens, on constate que souvent il y a des prix de décision vagues. Les décisions sont trop vagues. Ils ne sont pas centrés sous aucune base scientifique. Par exemple, on fait des activités de projet par-ci, par-là. Donc, on parle de plantation d'arbres un peu partout. Mais ces arbres qu'on plante, est-ce qu'on a fait des réflexions sur l'impact que ces arbres vont avoir sur l'environnement? Est-ce que ces arbres vont avoir vraiment des impacts sur le changement climatique? Et par exemple, on constate qu'on est en train d'établir, par exemple, beaucoup de pépinières et à travers le pays. Et maintenant, est-ce que les plantules qui se sont rencontrées au niveau de ces pays luttent vraiment contre le changement climatique? Et ensuite, on constate qu'il y a des promotions pour des espèces qui sont centrées surtout sur l'économie de l'homme. En ce sens, on constate qu'il y a une mise à l'écart, sans le vouloir, et des espèces ayant la capacité d'avoir des impacts positifs sur l'environnement. Quand on dit des espèces qui ont des impacts positifs sur l'environnement, il faut dire que quand on fait des plantations, on doit tenir compte de tout un écosystème. À travers l'écosystème, ou bien les écosystèmes qui existent, est-ce qu'une espèce qu'on met en place va avoir des impacts sur les autres espèces qui s'y trouvent au niveau de l'écosystème? Parce que très souvent, on vient avec des espèces qui ne produisent pas, par exemple, de la nourriture pour les oiseaux. On vient avec des espèces qui ne sont pas adaptées à la vie de nos grenouilles.
on vient avec des espèces qui ne favorisent pas vraiment la survie de nos insectes. Donc, on doit réfléchir de façon scientifique avant de prendre ces décisions. Ensuite, on constate qu'il y a une manque de connaissances socio-économiques intégrées à la gestion de l'environnement. Le mot intégré est extrêmement important parce que très souvent, on prend des décisions de façon catégorique, de façon trop spécifique. On n'intègre pas le social, l'économie avec l'environnement. Donc, et ça conduit à des prises de décision sans tenir compte des impacts que nos actions peuvent avoir soit sur l'économie des familles, soit sur notre environnement, sur la nature même. Et en ce sens, on contribue soit à la destruction de l'économie des familles, soit à la destruction de notre environnement. Et on constate aussi qu'il y a une absence d'une stratégie forte de la part de l'État pour remédier à la situation. Donc l'État devrait être l'entité qui possède une stratégie qui permette à ce que pour des pays ou bien dans des milieux spécifiques, des espèces qui ne devraient pas être à leur place. Par exemple, au niveau du pays, on constate qu'il y a une sorte de propagation et tout un ensemble d'espèces exotiques, soit par les autorités même, soit par des cadres professionnels et sans aucun contrôle. Et ces espèces exotiques-là, le problème, c'est que très souvent, ils sont envahissantes. Et par le fait qu'ils sont envahissantes, ça va nuire ou bien ça donne déjà de la nuisance à certains endroits au niveau du pays. Par exemple, il y a nos parcs. Par exemple, le parc Macaya, qui est tout près de nous, est déjà sous l'influence de certaines espèces qui sont vraiment envahissantes. Et en fait, le parc devait être à l'abri de ces espèces envahissantes parce que c'est un patrimoine mondial en matière de biodiversité. Au niveau du jardin botanique, on tient à ce qu'on contribue on donne notre contribution pour permettre aux acteurs, aux professionnels de mieux maîtriser la question de biodiversité et avant de prendre des décisions. C'est en ce sens que certainement du concert avec la direction de la biodiversité au niveau du ministère de l'Environnement, donc c'est une entité avec laquelle on est déjà en train de discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au cours du 22 mai. Donc on va organiser certainement un symposium sur la biodiversité et au cours de ce symposium, on va avoir une formation sur la mise en place et la gestion des bases de données biologiques. Et je dis bien base de données biologiques parce qu'on n'a pas assez d'informations sur nos espèces, soit faunistiques, soit floristiques en Haïti. Et en ce sens, on va venir avec quelqu'un de l'international. Déjà, on avait eu un accord avec JBIF au niveau du Canada. JBIF, c'est une institution internationale. Donc, il y a quelqu'un qui va venir pour organiser pour nous une séance de formation sur les bases de données. Parce que il y avait seulement Hickman. En fait, quand on dit seulement Hickman, il y a d'autres personnes qui ont fait des efforts, mais Hickman était la personne qui a fait beaucoup plus de travaux en ce sens. Parce que normalement, il était venu en Haïti entre 1924 et 1928. Il a parcouru tout le pays, monts et vallées, les plaines, pour trouver et là où se trouvent nos espèces. Mais il y a un problème. Cette base de données qui existe un peu partout à travers le monde, soit en Suède, soit aux États-Unis, soit à Cuba, soit en République dominicaine, et n'est pas actualisée. Il faut que nous, les Haïtiens, on travaille à ce qu'on actualise cette base de données. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez passer au niveau de notre local, numéro 24 Bergeau, route nationale numéro 2, CAI Haïti. Vous pouvez aussi nous écrire par email, jardin botanique des CAI, @commercialgmail.com. Par téléphone, vous pouvez aussi nous contacter 43 09 28 09 22 70 31 11. Merci, je vous souhaite de passer une bonne journée.